temps comme dernier présent. Quand on sent que sombre est l'avenir, chaque instant comme dernier présent. Quand je sens la peur de l'heure de partir, se fait en deux parties. La première partie qui est de raconter de son enfance jusqu'au jour de l'enlèvement et la deuxième partie qui est après l'enlèvement jusqu'au jour de sa mort, c'est-à-dire 30 ans en asile. Et c'est vrai que nous, on aimerait donner des clés pour comprendre pourquoi. Enfin, vraiment, au moment de l'enlèvement, elle se demande pourquoi, qu'est-ce que je fais là. Et puis après, on va chercher dans l'enfance, dans l'adolescence, quels sont un peu les marqueurs sociaux ou les endroits où elle peut être considérée comme déviante, les moments où elle transgresse et où elle se met sur cette voie-là de la marginalisation.